Je suis resté donc 11 ans commercial dans les photocopieurs. Avant ça, je vendais des fenêtres, menuiserie, véranda aussi. La dernière expérience était dans l'immobilier, où j'étais donc conseillère commerciale pour des particuliers. J'ai commencé dans grande distribution, où j'étais purement et simplement chef de secteur. J'ai commencé en tant que gestionnaire dans les engins de chantier, où je louais des machines, et j'ai fini par responsable secteur dans l'automobile. Depuis que j'ai commencé à bosser sur des jobs saisonniers, je savais que je voulais être entrepreneur. C'est pouvoir aller à son rythme, c'est pouvoir choisir les orientations qu'on veut donner à son entreprise. Et on est vraiment un accompagnement sur mesure et avec des gens hyper disponibles tout le temps. On est totalement libre et décisionnaire de notre entreprise. C'est l'avantage d'être indépendant, c'est que tu fais jamais la même chose tous les jours, quoi. C'est d'avoir une activité qu'on rejoint volontairement, qui a du sens, etc. et dans laquelle forcément on va s'investir. Le côté que moi j'apprécie, c'est ma liberté d'organisation. Moi j'ai besoin de ça. On a un vrai suivi de proximité et de relations clients qui fait qu'aujourd'hui la confiance s'installe hyper rapidement. Et ça c'est quelque chose que les clients savent nous dire et nous remercient beaucoup pour ces enjeux-là. Il faut quand même savoir que monter une boîte, ça demande du temps, de l'investissement, du travail personnel. Sauf que quand on fait goûter le produit, il y a une surprise. Et c'est ce que j'adore dans ce métier. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment avec un produit qualitatif, on crée une surprise. Comment je me vois dans 10 ans? Je me vois dans une structure où on intègre ce système d'avoir plusieurs personnes, de faire monter en compétences des gens, de faire continuer à grandir la boîte. J'ai envie vraiment de me développer, de ne pas en rester là juste avec ma voiture et être tout seul. J'aimerais vraiment de développer sur du commerce, sur du technique, et m'agrandir aussi, vraiment, c'est mon projet, même à plus court terme. Mais dans 10 ans, je le vois avec une entreprise prospère, d'avoir créé des emplois, d'avoir aidé aux entreprises dans leur démarche d'éco-responsabilité. En un seul mot, bah, respect. Plaisir. Innovant. C'est une belle aventure. Gebeyals. Engagement. Magnifique. Humain. Belle aventure. C'est humain et surtout respect. Respect. De plaisir. Respect. Belle entreprise. Famille. 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 Waouh.